la création d'un schéma électrique avec des bornes numérotées avec un automate. Ça se fait par faire suivre la page et dans le palette, on va y intégrer l'alimentation, par exemple le L et le N. Donc, par exemple, le 230 volts. Et la terre. Circuit breaker. C'est la protection. Et un bidirectional link, c'est enfin une borne. La borne, on peut la numéroter, par exemple, borne numéro 1, show symbol. Créer le lien, encore un bidirectional link. La borne 2 et borne 3. Donc maintenant, il y a 6 bornes. Disconnecting switch, rotation. Jump, intégration d'une jump, veut dire on va créer un lien entre deux pages. Par exemple, page B. Donc maintenant, on est sur page 1. Peut toujours intégrer du texte, du draw, 24 volts DC sur le borne 9 et sur le borne 10, 0 volts.
Maintenant, on va se trouver sur page B. Et on va commencer par intégration des input-output pour un automate. C'est fait par un bloc. On va voir qu'avec un bloc, on peut accueillir de l'information et envoyer de l'information. On peut la paramétrer en fait. Intégration du texte, par exemple, le plus. Et le minus. Ici le texte pour DC inputs. On peut changer le font. Par exemple, pour input, un bitmap avec lequel on peut intégrer des photos ou des fichiers, n'importe quel. Par exemple, un logo. Le logo de SMC. Et l'automate de SMC se nomme pneu alpha. C'est en bleu, par exemple. Donc l'automate de SMC n'est pas dans la bibliothèque, disons, donc on va le créer nous-mêmes avec certaines quantités d'input et d'output comme vous voulez. Créer un rectangle et autour. Et maintenant on peut grouper tout ça. Maintenant on a une unité. Le jump et le label avec lequel on peut dire on reçoit cette info du page A. Créer le lien. Voilà. Le plus et le minus, par exemple. Intégration des switches.
donc des interrupteurs sur des bornes. Changer le numéro des bornes, bien sûr. Donc les inputs sont prêts. Alors encore les outputs, aussi sur des bornes numérotées, par exemple solenoid, donc l'aimant de distributeur à voie multiple, sur des bornes bien sûr, bornes numérotées, donc le suivant en ligne est le 15. Et 16. Voilà. Et par exemple, les contacts des outputs sont des contacts hors potentiel. Donc il faut y encore brancher un plus, un 24 volts.